c'est quoi? Ah oui! Ah! Granny! Ah! Ah! Coucou! Y'a le bateau! C'est quoi ça? T'étais où? Ah! Ah! Salut les losers! Merci à tous les membres qui soutiennent ma chaîne et qui font partie de la super team palmeyer! Abonne-toi mon petit palmier! Hey! Coucou mes petits palmiers! J'espère que vous allez bien, moi c'est Nadej Kandal et je suis super méga content de vous retrouver aujourd'hui pour faire un nouveau Granny. C'est un nouveau mode qui est sorti, ça s'appelle Granny Punk et ça a complètement changé Granny. Elle ressemble rien à voir avec la vraie Granny. La maison est complètement changée, le grand-père aussi, les monstres. Vous allez voir, c'est une toute nouvelle aventure de Granny. Chapitre 2, c'est un mode de DXL. N'oubliez pas, cliquez sur j'aime tout de suite si vous voulez plus de vidéos Granny sur la chaîne de Nadej Kandal. Également, bah abonnez-vous à la chaîne, hein, activez la cloche comme ça dès que je sors une vidéo, ding, vous êtes alerté par YouTube. Moi je vais y jouer sur BlueStacks sur ordinateur. Suivez-moi, c'est parti. Waouh, ça y est, on est dans l'écran d'accueil de Granny the Punk. Ça n'a rien à voir, regardez. Déjà le logo il est avec un motif léopard. Il y a les trois boutons, vous savez, pour le tir au pistolet, là, pour les cibles. Et il y a un dessin chelou ici avec le grand-père, on dirait qu'il a un truc là. Bon bref, on fait peler. On va jouer en normal. Oh, il y a la tête de Granny ici, ça fait peur. Et Granny et grand-pa bougent à la vitesse normale, ok. Alors, le 14, on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Ok, grand-pa a donné une robe avec un motif léopard à Granny, mais Granny ne l'a pas aimé. Alors, elle a frappé grand-pa et elle lui a planté un tableau sur la tête. Quelqu'un frappe à la porte. Les grands-parents vont devoir de changer de stratégie et travailler ensemble et mettre leur dispute de côté. Granny prend son shotgun préféré et capture le joueur au cœur de la maison. Quoi? Granny, elle a le shotgun maintenant? Waouh! Mais ça change complètement de truc! Ok! Bon, c'est vrai, qu'est-ce que c'est? Je me demande ce qui... Ah! Jour 1! Ok, ça commence! Quoi? Mais on se réveille où, là? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des tags de partout! Oh, mais on est en haut! Qu'est-ce que... Bonjour! Mais c'est... C'est Granny qui a un motif léopard! Mais qu'est-ce que c'est que ça, Granny? Ta robe, elle est ouverte ici! Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait de la musique, j'ai arrêté. C'est quoi qui ronronne? Hein? Il y a un shotgun, enfin, un stunegun. Il faut les cutting pliers. Ok. Mais regardez, on voit sa jambe. Et elle a, c'est sa robe qui est ouverte et... Ah! Oh, 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 oh! C'est quoi ce son? Bon, je me suis un petit peu trop rapproché de la cage. Je savais pas que Granny pouvait m'attraper à travers la cage, mais si, elle m'a attrapé. Jour 2. Bon, on redémarre au même endroit et Granny n'est plus là. Donc ça, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir y aller en toute tranquillitude. Alors, j'ai le stun gun avec... Oh, un bout de photo. Mais c'est quoi cette tête? Ok, j'ai vu qu'il y avait un autre bout de photo là. Ok, ça c'est quoi? Le stun gun? Le fusible? Mais pourquoi tout est déjà là? Ben, la clé du bateau. On peut partir par le bateau. Ok. Pourquoi je peux pas ouvrir la porte? Mais je suis coincé ici! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, on doit passer par eux là. Donc je mets un bout de photo, deux bouts de photo, et... Ah bah voilà. Trois bouts de photo. Super! Mais alors, attendez, il va falloir faire ça? D'accord, on commence par cette épreuve. Très bien. Moi, je vais aller récupérer, bah, du coup, ça. Hein. J'ai que ça pour le faire, hein, moi. Je peux pas faire avec autre chose. Donc, j'ai le stun gun. Oh, ok, ça fonctionne. Je voulais juste vérifier que ça fonctionne bien. Alors, bah, on y va. Il faut bien viser. Oh, ça bouge. J'aime pas quand ça fait ça. Ok, bah oui, mais il est où le truc? Ah, il revient là. D'accord. Oh, raté. Bon, attendez, on y va. J'ai eu le deuxième. Attendez, j'ai pas récupéré. Ouais! Du coup, j'ai ouvert. Super! Ah ouais! Le fusible! Bon, bah ça, pour l'instant, c'est comme le Granny 2 qu'on connaît. Je vais laisser ça là. Pour l'instant. Je vais prendre le petit fusible. Sinon, on tombe. Oh, il vaut mieux pas tomber, moi, je vous le dis. Et on va aller placer le fusible à son emplacement. Ici, c'est bon? Je peux passer, très beuya. Et donc là, on arrive ici. Mais il est où l'hélicoptère? Ah, il est là. Mais pourquoi je peux pas y aller? Youhou. Oh, on peut pas partir par hélicoptère. C'est dommage. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, j'ai ouvert la porte ici.
Et on a un placard avec rien du tout, bien sûr. Oh, on peut tomber là. Coucou, coucou, coucou. Je peux tomber ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors? Bah, je peux plus tomber par là? Bah, on peut plus passer par ici. On peut prendre que le... Ça s'ouvre ou pas? Ça s'ouvre pas! Bah alors je vais aller chercher les objets, hein. Ah oui, mais non, mais parce que j'ai besoin du Stungun. Parce que s'il y a les grands-parents et tout, toi-même, tu sais. Donc, j'ai besoin de prendre la clé. Parce que, bah, on va l'amener là-bas quand même, hein. La clé, on y va, on y... Coucou, c'est quoi ce truc? C'est chelou, cette photo! Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça fait peur. Voilà. J'ai pas vu le bateau encore, hein. C'est en bas. On va essayer de le trouver. Alors... On va mettre la clé du bateau. On va la balancer. Ploup. Oh, il y a quelqu'un. Ah, mais c'est grand-pa, c'est grand-ma, Granny avec... Mais grand-pa, il a vraiment le tableau... Ah, il a le tableau planté autour de la tête. C'est trop rigolo. Bon, je vais aller chercher le Stungun. Je peux pas les avoir tous les deux parce qu'après, l'arme, elle sera en bas et je pourrai pas descendre. Donc, faut que j'attende qu'ils se séparent. Voilà, comme ceci. Bien. Mais heureusement que j'ai cette arme. Ah, heureusement qu'on commence avec l'arme tout de suite. Bah sinon je vois pas comment on pourrait jouer. Il est bien pour l'instant ce mode. On redécouvre complètement Granny 2, c'est ce tour marrant. Donc. Ah, j'ai raté. Mais pourquoi il s'en va pas? Alors là vraiment c'est raté de chez raté. Elle a les longs cheveux blonds, regardez. Bon, va-t'en, Granny, je vais essayer d'aller en bas. Tout doucement. Voilà. Tout doucement. Je peux y aller ou pas? Attendez. Ok. Non, attendez. Comment on fait pour y aller? Oh, ok. Doucement. Oui! C'est bon. Ok. Oh, je suis trop contente! Il va me donner son shotgun? Non. Ah! Mais d'où? Elle m'a attrapé à travers la grille! Elle te riche! Jour 3! Bah oui, déjà! Mais oui, mais bon, mais oui, mais bon, mais oui! Oh, et puis l'arme, elle est en bas! Comment je vais faire? Bon, j'espère que grand-pa n'est pas là, c'est ma seule solution. Allez, réveille-toi! Mais sinon, on va devoir recommencer, hein. Parce que moi, je le termine, le jeu, je vous le dis. Oh, et puis il faut faire tout le tour! Oh, je vais commencer par connaître par cœur cet endroit. Waouh, bonjour, bonjour. Voilà, voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas les grenades. Oh, mais bonjour, il n'y a plus personne. Bien. Allez, hop, c'est parti. Mais pourquoi on entend un ronronnement depuis tout à l'heure? On entend grrr, grrr. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de descendre doucement. C'est pas très doucement, mais bon, c'est pas grave. Comment j'ouvre ici? Comme ça? Oui! Vite! L'arme! Ok. Granny! Coucou! Tiens! Voilà, ça t'apprendra à mettre des robes comme ceci, là. Bon. Par contre, il y a le grand-père qui va arriver. Et ça, j'ai peur. Je sais pas par où il va venir. C'est une minute, c'est ça? Ah! Je fais trop de brebouis! Bah, il n'y a pas de tiroir, mais qu'est-ce qui se passe ici? Bon, est-ce que je peux passer par eux là, oui ou non? Allez, on pousse, on pousse. Voilà. Ah! J'ai tiré sans faire exprès! Non, non, non! Ah! Mais ça m'énerve! Il va trop vite! Oh! Il me reste que 2 vies! Bon, on peut y arriver. Mais il faut faire attention! Allez, on se réveille. Normalement, il va pas être en bas. Je vais pouvoir récupérer le Stungun. Oh là 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 là, tout ça parce que j'ai tiré sans faire exprès! Et maintenant, j'ai du ketchup autour de l'écuran. Ça se fait trop pas. Allez, vite, 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 on se dépêche. On marche, on court. Allez, hop, voilà, voilà. Dommage que je puisse pas courir plus vite. Voilà. Comme ceci. Bonjour. Allez, on descend. Je vais vite récupérer l'arme. J'ai fait du grincement. Voilà. Voilà. Tout ça pour ça? Il y avait rien en plus? Oh! Bon, j'ai fait du bruit là. Est-ce qu'il va venir là ou pas? Coucou! Allez! Ok, j'ai l'arme. Viens, grand-pa! Une minute, ça va vite. Et pouh! Ouais! Allez, je la recharge. Je recharge.
Et on y va. On fouille un peu partout. Qu'est-ce qu'on a ici? Le spark plug pour le bateau. Ok, donc j'ai le spark plug. Et j'ai la clé du bateau. Ok, là y'a rien. Ok, là y'a quoi? Y'a rien. Ici, y'a rien. Bon, dans la douche, qu'est-ce qu'on a? Rien. Rien. C'est un peu bizarre, y'a rien nulle part. C'est quoi ce... Ah! Y'a l'album de Taylor Swift of Swift. Ok. Y'a... Oh! J'ai besoin de la weapon key pour le volant du bateau. Là, y'a quoi? L'eau. Ok, est-ce que je peux enlever l'eau? Y'a quelque chose ici? Non, y'a rien. Vite, vite, vite. Faut que je remonte. Parce que là, j'ai besoin du Stun Gun. Faut que j'aille en bas pour voir. Donc, il y avait de l'électricité. Là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, là, 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 là. Il n'y a rien nulle part. Ici. Oh, un door lock, ok. Là, il n'y a rien. Là, il y a... Oh, pour enlever l'eau. Allez, hop, je vais aller enlever l'eau. Enfin, si je peux. Mais normalement, je peux. C'est vrai qu'une minute, ça passe vite. Quoi? Il y a un tableau de texture. N'importe que bois. Il y a un tableau qui fait peur ici. Allez, on va aller enlever l'eau. Ça sera fait. Comme ceci. Oui. Voilà. Comme ça, je peux... Oh non! Il y a le bateau! Le bateau, il est là. Qu'est-ce qu'il fait là, le bateau? C'est n'importe que bois. Oh, des grenades. Oui. J'ai la grenade. Je vais pouvoir... Ah! Vite! Va-t'en! Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Tu vas voir. Tiens! Explose! Ah! Oh non! J'ai explosé avec. Ah, ah! C'est la dernière journée. Jour 5, le dernier jour. Bon, là, il faut vraiment y arriver. Je les endors tout le temps. Mais au moins, je sais où est le bateau, donc je peux partir par le bateau. Yeah! Ok, ok, bon, bon, bon. Allez, hop, c'est pas du rôti. J'ai pas l'essence. Donc, alors, attendez. Il me faut la clé de l'arme pour récupérer le volant. Il me faut l'essence. Et peut-être qu'il faut ouvrir la grille en bas pour partir, quand même. Même si le bateau, il est là. Oh, y'a... Mais non, le volant, il est... Ah! Elle était juste ici, j'ai même pas regardé. Bon bah on recommence mais en mode facile. On va voir la cinématique de fin. Oh non, ils vont m'enfermer ici. Ils vont faire pic pic pouc pouc. Arrêtez, vous êtes méchants les punks. Non. Non. Ah. Ça picote. Allez, on refait en mode facile. Jour 1, mais cette fois je vais l'endormir tout de suite la gra-gra. Elle va pas m'avoir là. Mais pourquoi elle est comme ça? Vous avez vu sa tête? Elle est toute penchée, là. Et chelou, elle va se redresser d'un coup, vous allez voir. Pouf ! Voilà. Bon, tu me donnes ça. Et, elle est où, le... Attendez. Oh, les grenades ! Trop cool ! Et je vais prendre ça. Voilà, et toi, bonne nuit, hein. Ça suffit. Merci, salut, bye. Bye, bye, bye. Ok, je laisse ça là. Donc, on a un bout de painting ici, un bout de painting ici... Et on va prendre l'autre bout de painting si elle, elle me laisse pas... Mais Granny! Mais va-t'en! Mais elle me peuranque à chaque fois avec son corps. Bien. Il est là, je l'ai vu. Voilà, allez, va-t'en. Pousse-toi, mère, ici. Hop. Oui! Ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a un objet ici que je vais pouvoir prendre pour la suite? Non! Super. Donc, le Stun Gun. On y va. La musique! J'ai dit non pour la musique. Oh, alors, allez, on y va. Ok. Et de 1. Et de 2. Attention. Attention. Et de 3. Ok, ça c'est fait. Mais il me faut le fusible. Il y a forcément un fusible par là. Où est-il? Fusible. Fais pas semblant, j'ai besoin de toi pour passer. Fais pas hein, ton petit coquinou. Mais il est où? Alors là, c'est pas possible. Non, non, non. Oh! Ça, ça peut pas être là-dedans, ça, non. Mais attendez, je rêve ou je rêve? Il est forcément là, le fusible.
Là, il est pas là, là, il est pas là. Derrière la porte. Mais je vais pas pouvoir passer, moi. Attendez. Non. Non. Derrière la porte. Mais c'est juste pas possible. Attendez. Bon, je le fouille. Ça fait 5 minutes que je cherche, je le vois pas. Donc ce que je vais faire, je vais lancer une grenade ici. Peut-être que ça va ouvrir la boîte. On y va. Ça a fait boum ou pas? Oui, mais ça n'a rien ouvert. Oh, 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 oh. Attendez. C'est pas derrière la boîte. Je peux plus voir. Je vais lancer une grenade là-bas où il y a le trou du fusible. Sinon, bah, je sais pas quoi faire, hein. C'était un bug, c'est pas possible. Là, il y a rien. Il y a vraiment rien. C'est ça qui est chelou. Attendez. Oh non, j'ai raté. Ferme. Ok. Et peut-être que je perds pas de vie. Oh, il est là. Oh, il fallait déclencher ça. Waouh. Pas mal, sauf que maintenant... Ah bah voilà, ça s'est refermé. Oh, bien trouvé. Bien trouvé, bravo. Bon, allez, on y va. On déverrouille ceci. Est-ce qu'on a un objet ici? Non. Là, je sais pas si je peux y aller. Et là, je peux pas déverrouiller. Alors, il y a personne ici. Est-ce que vous croyez qu'elle peut passer? Ouais, mais moi, il faut que j'ouvre ça. J'ai peur. Coucou, Gragra. Elle a rien entendu. Elle est trop sourde. Ah! J'ai rien dit. Tiens! Voilà. Maintenant, j'attends. 2 minutes. Ah! Elle tombe sur son piège. Ah, bien fait. Y a quoi comme objet? La clé du coffre. Coucou, grand-pa. Toi aussi, tu veux un petit coup de Stungun? Bien. Voilà. Pas de jaloux. Bien. Alors, j'ai la clé du coffre. 2 minutes, c'est très bien. C'est mieux que tout à l'heure. Là, y a rien. Ok, on va aller enlever l'eau déjà. Bah oh! Voilà, j'ai déclenché le piège. Bien. Ensuite, là, y a rien. Et là, y a le door lock. Là, y a rien. Dans la salle de bain, y a rien. Ici, y a rien. Là-dedans, y a rien. Je vais ouvrir ceci. Je vais aller enlever l'eau. Pour l'instant, tout se passe plutôt pas mal, hein, voilà. Ok, on ouvre ça. C'est bon, j'ai enlevé l'eau. Je vais laisser ça là. Je vais fouiller là. Oh, 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 oh. C'est de la guitare électrique rhumanophérique. Ici, il y a rien. Je vais aller récupérer. Oh, pourquoi je peux pas passer là? Il y a du béton. Oh, on est obligé de faire tout le tour. Bah alors, il y a quoi là-bas? Pourquoi ils ont mis du béton? Je vais aller voir tout de suite. Je vais prendre la clé du coffre. Et je vais aller voir ce qui se passe. C'est quand même assez bizarre. Là, il me faut le pied de biche. Allez, hop, la clé du coffre, elle est là. Et je vais voir tout de suite là-bas. Alors, attendez, je vais la laisser là pour l'instant. Ah oui, je vais fouiller ici. Il n'y a rien. Et là, derrière les boîtes, je vais le faire maintenant parce que avec les boîtes, c'est un peu... comme ceci. Ah! J'ai l'essence! Ça, c'est trop bien aussi. Bon, je pense que là, ils vont se réveiller. Donc, je vais quand même faire juste ça. Y a rien d'autre au bout? Va aller voir. Je vais libérer de toute façon la cachette. Ok. Comme ceci. Il me faut le coupe-coupe pour couper l'électricité. Ah! C'est quoi ça? Oh! Y a le monstre qui est là. Mais attendez, du coup, les grands-parents, ils peuvent venir que de là. Ok, ils peuvent venir que de là. Ça fait quoi si je tue le monstre avec le Stungun? Vous croyez que je peux le faire? Non, je peux pas. Oh, il a peur. Mais tu peux me rendre ça? Pourquoi il vient vers moi? Il bouge et tout, j'aime pas ça. Bon, là, il y a quoi? Rien, rien, rien. Ils sont pas là, tout va bien. Là, rien, ils sont pas là, tout va bien. Là, y a rien. Là, y a rien. Et là... Oh! La clé du bateau! Ok. Donc, y a plein d'objets ici. Je vais essayer de tous les descendre. Ah! Tiens! En plein dans le décolleté, la gra-gra! Voilà! 2 minutes! Bonne nuit! Et le grand-papa... bah, il faudrait qu'il vienne.
Grand-papa, mais comme il peut venir que de là, j'ai peur. Attention. Attention. You. Grand-papa, dépêche-toi. Mais viens, wesh. Oh, il veut pas venir. Du coup, il va être en décalé avec la gra-gra. Je l'entends, mais je le vois pas. You. Mais il est pas là. Il me fait des peurancs. Il a spawné en haut. Oh, le coquinou. Attendez. Mais il est pas là. Mais alors, je l'ai eu pour de bon. Où est-ce qu'il est? Vous croyez qu'il est là-dedans? Non. Mais grand-pa! Mais il vient pas, et du coup... Bon, attendez. Ah! J'ai mis la musique. On va voir si ça va faire venir grand-papa. Sinon, je vais attendre, hein. Je vais attendre que les deux reviennent pour les avoir en même temps. Parce que là, j'ai trop attendu. Granny, elle va revenir. Pump it up, pump it up. Je vais arrêter la musique. Stop! Je peux pas l'arrêter. C'est une catastrophe, Remenefeaf! En plus, il a un shotgun. Bon. Bah, j'attends. Oh, un vase! C'est le vase de grand-pa. Du coup, je l'ai fait tomber. Peut-être que ça va le faire venir. Oh! Il est là! Mais d'où t'étais où? Donne-moi ça! Ok. Et maintenant, il faut que j'ai Granny. Granny! Youhou! C'est pas toi qui va faire la grève maintenant! Gra-gra! Attendez. Voilà, je fais du bruit. Plein de bruit. Granny! Youhou! Oh, mais ils sont pas en accord! Ah, elle est là. Viens ici, viens ici, viens ici. Voilà, rends-moi ça, comme ça c'est chargé. Je laisse ça ici. Et je vais aller faire tomber les objets en bas. On y va. Donc paredon, mais elle a un shotgun elle aussi. Voilà, la gasoline. Paredon, mais pousse-toi. Elle est vilaine. Ça c'est la clé du coffre. On va voir ce qu'il y a dans le coffre. Paredon, moi je m'en fiche, je marche sur toi hein. C'est bon. Mais pousse-toi. Bon, est-ce que ça va là-bas? Non, ça va pas là-bas. Voilà, ok. Ensuite, j'avais la clé du bateau qui était dans le micro-ondes. Ça fait aucun sens, mais bon, voilà. Il faudra que je remonte avec les pinces quand j'aurai les pinces pour couper l'électricité, mais sinon, le reste, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre ici. Je vais voir ce qu'il y a dans le coffre. Qui est donc là-dedans. Là, on a vérifié ou pas? Ah, on a ça pour le bateau. Et là, on a la poignée. Ok. Ploup. Très bien. Je vais aller placer ça sur le bateau. Oh, il faut que je récupère le stun gun. C'est très important. Ploup. Voilà. Ensuite, ici, nous avons ceci. Je vais remplir l'essence tout de suite. C'est là. Ok, on remplit, on remplit. Je pense que les coupes-coupes sont en bas, parce que c'est le seul endroit où on n'a pas été. Mais du coup, à la place du bateau, je me demande ce qu'il y a. À mon avis, rien, mais bon. Allez, hop, on garde ça. Et je vais aller récupérer le stun gun. Vite, vite, vite. Parce que là, je pense que ça fait largement le temps. J'ai un peu peur. Voilà. Super. Comme ça, s'ils arrivent, je suis équipé. Allez, on va aller en bas, dans le sous-sol. Bon, il y a des caméras, je m'en fiche. Bonjour. Bonjour. Personne? Y'a personne. Très bien. Là, c'est la pièce où ils m'ont enfermé tout à l'heure. Là, c'est là où normalement on aurait dû se ponofeneuer. Là, c'est les égouts. C'est bizarre, c'est les mêmes égouts que dans Granny 1, dans les égouts. Oh, il y a le monstre, mais il n'y a pas le bateau. Ok. Ah, c'est quoi? La clé de l'arme, et il faut la padlock key. Donc, il faut quand même la padlock key. Mais bon, j'ai la clé de l'arme. Sauf que moi, l'arme, c'est la manivelle qui vient ici, normalement. J'aurais préféré autre chose, mais bon. J'ai pas les pinces, de toute façon, il me faut les pinces. Donc, il me faut le pied de biche. D'accord? Quoi qu'il arrive. Alors... Et on va les rendormir, là, les coquinous, parce qu'il est temps. Quelle que soit la sortie, il faut que j'ai le pied de biche. Et ça, je sais pas où il est. Il est bien caché, hein. Je l'ai pas vu depuis le début. Ça se fait trop pas. Coucou. Je
te vois, hein. Mais il m'a entendu. C'est pas juste. Allez, jour 2, c'est pas grave, on a fait énormément de choses. Dans cette première journée, ah, des pains, ça me serviront aussi pour ouvrir là. Mais je les ai pas, donc bon. Là, priorité, aller chercher le Stungun qui est dans l'escalier entre le bas et le haut. Donc autant dire très mal placé. Mais comme on est en facile, oui, normalement ça devrait y aller. Je vais vérifier ici s'il n'y a pas des objets parce que bon, on sait jamais. Mais non, il n'y en a pas. Oui. Ok, et je peux vraiment pas descendre par là? C'est verrouillé. Bon, d'accord. Voilà. Alors, ici, il n'y a rien. Ah! Va-t'en! En plus, il a un shotgun. Je suis pas là! Coucou! Bah, pourquoi il me tire pas dessus? Ça qui est chelou. Faut que j'aille là-bas, grand-pa! Arrête! Voilà. Très bien. Moi, je suis caché derrière. Tu peux pas traverser la porte, d'accord? Salut! Bye, loser! Allez, j'espère pas être prise en sandwich par Gragra. Sinon, je vais là-dedans, hein, tant pis. Ah, on a le Stungunamo en plus. Ils sont pas ensemble. Ok. Guitare! Coucou! Allez! Ah! Je t'ai visé de loin, mais je t'ai eu. Allez, hop! Voilà! Et maintenant, Gragra, je fais du bruit. Pousse la table. Voilà. Gragra, tu peux venir! J'ai ton mari! Regarde comment il est! Il est complètement ridiculous avec un tableau. C'est trop drôle! Bon, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas le pied de biche. Mais non, il n'y a rien du tout. Bon, elle vient pas, elle? Tu boudes? Tu viens même pas sauver ton pauvre mari. Franchement, ça se fait trop pas, hein. À sa place, je serais une REV. C'est pas grave, moi je vais fouiller, hein. Donc on a le Dorlock, on a ça. Qu'est-ce que ça cache? Les pinces. Eh bien voilà, il faut que j'aille chercher la clé du coffre. Ok. Sauf que Gragra, je sais pas où elle est et ça me stresse particulièrement. Donc, je vais laisser ça là, volontairement, et je vais aller récupérer la clé du weapon. Voilà, comme ceci, pour avoir les pinces pour l'électricité. Et à mon avis, dans le coffre du monstre, il y a le pied de biche. Oui. Donc, on remonte tranquillement. Ok, elle n'est pas là. Elle n'est pas là alors que j'ai fait du bruit. Ça, c'est bizarre. Oh, coucou. Ok, je prends ça. Normalement, là, elle va venir. Coucou. Tiens. Voilà, ça t'apprendra. Bien. T'avais qu'à venir tout à l'heure avec ton mari. J'ai la clé du weapon. Et je récupère les cutting tires. Oui. Ah, je vais enfin pouvoir couper. Alors, on va couper l'électricité. Et on va couper les chaînes. Est-ce que je peux marcher sur le lit? Bien sûr que non, que nenni. Je vais commencer par l'électricité. Voilà. Super. Maintenant, je vais aller faire les chaînes. Là. Monte, mon petit. Voilà, super. Et normalement, il y a le pied de biche. Et là, j'aurai tous les objets pour partir. Oh, mais finalement, ça se termine bien. Bon, heureusement, hein, on est en mode facile. C'est quand même assez facile. Allez, je suis quasiment sûr que c'est le pied de biche. Maintenant, on sait pas à quoi ressemble le monstre, donc on va voir. Coucoup. Ah! C'est quoi? Pourquoi il a une robe à fleurs? Quoi? Pas de Loki. C'est même pas le pied de biche. Bah alors ça, c'est étonnant. Ok, bah tant mieux. Du coup, je vais ouvrir en bas. Pour le bateau. Bah ouais. On va aller faire ça. Faut que je retourne tout en bas. J'espère ne pas croiser grand-pa. On va passer par ici. Ok. Je vais récupérer le Stungun. Parce que là, à mon avis, j'en ai un ou deux à endormir. Et je sais pas où ils sont. Bon, ils sont pas là. Je vais laisser le Stungun là. Je vais aller ouvrir la boîte en bas.
Voilà. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un en bas. Pourquoi y a Granny Barbie à Marrakech? C'est chelou. Ok, on y va. Ne venez pas, ne venez pas. Bien, ils sont pas là. Ok, je fouillerai quand même un peu partout, voir si je trouve pas le pied de biche, parce que c'est bizarre de pas l'avoir vu. C'est bizarre. Bon, j'ouvre. Ouvre. Voilà. Bon, bah, y a pas de pied de biche ici. Par contre, la porte s'est ouverte. Donc ça, c'est bien, parce que ça veut dire que je peux partir par le bas dessous. Attendez. Non, mais je pensais qu'il allait être derrière ça. Ici, y a rien. Dans ma pièce à moi, on va aller vite voir, mais... Il n'y a rien. Mais c'est bizarre. Il manque vraiment le pied de biche. Bon. Et j'ai plus la poignée pour ouvrir ça. Oh, vite, va-t'en. Je m'en vais. Ok. Donc, je vais les endormir quand même. Granny. Youhou. Ici. Voilà. Y'a là, la petite. Attendez, je peux faire ça? Ah! J'ai fait la porte des griffes. Tiens! Voilà! Donne-moi le Stungun! Bien. Et maintenant, ton mari. Il faudrait que vous soyez ensemble, hein, pour ça. Voilà. Coucou! Bonne nuit! Alors, j'ai pas le pied de biche. C'est quand même embêtant. Parce que là... Bon. Est-ce que je peux partir? On va voir. Je vais prendre le bateau. On va essayer de voir si je peux partir. Normalement, j'ai mis ça. Ah, il me manque le volant. Alors, est-ce que derrière ça, il y a quelque chose? Non. Ah, mais j'ai enlevé l'électricité. Mais oui. Ah, donc, je peux passer par là. Moi, alors. Eh ben, voilà, le petit pied de biche. Ah, moi, alors. Allez, on va aller voir ce qu'il y a en haut. Et après, on ira voir ce qu'il y a en bas. Je vais faire ça quand même, hein, c'est gratuit. Bien. Je me suis trompé de sens, c'est pas gueux. Bon, on va commencer par en bas. Parce que si il y a le volant du bateau, bon, on part par le bateau. Ah oui! Attention! Ah bah non. Ah, y a rien. Quelle déception, me ne feuillons. Allez, on va aller ouvrir la boîte du haut, du coup. Sauf qu'on peut pas passer par là. Évidemment! Ça aurait été trop facile sinon... Donc, je me dépêche, je vais en haut, je prends le volant et je m'en vais. C'est la mission. On n'a plus que quelques secondes pour y arriver. Attention, tac. Bon bah, c'est pas du tout ce que je voulais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est où le volant du bateau? Je l'ai pas trouvé, hein. On va partir par la porte principale sinon. C'est ce qu'on va faire, je crois. Allez. Je vais aller mettre ça. Vite fait, bien fait. Attention au monstre. Ça va. Tac, tac, tac. Allez, tourne. Voilà. Et on s'en va. J'ai pas besoin d'autres clés puisque j'ai déjà fait la padlock key et tout. Allez, on y va. Salut les loos. Oh. Elle est en bas la padlock key, je l'avais pas faite. Vite. J'avais dit salut les losers. Oh. Allez, allez. Tout ça parce que j'ai pas trouvé le volant, hein. Mais bon, je sais pas où il est. Je sais pas où il est, comme j'ai la padlock key, autant partir par eux là. Voilà. Allez, on y va. Ploupi, ploupi, ploupi. Nadège s'en va d'ici. Ploupi, ploupi, ploupa. Nadège s'en va dans là. Voilà. Ok. Ok. Ploupi. Ploupa. J'ai gagné. Comme ça, on verra la maison en plus de l'extérieur. Oui. On la voit? On voit même la voiture! Trop bien! Salut les losers! Bah oui, j'ai gagné! Bah vous allez... vous croyez quoi? Que je vais rester chez vous? Au revoir! Ziyang! Oui, on a terminé! Granny the Punk! Vraiment super jeu, super mode de Granny! J'ai vraiment apprécié parce que ça change complètement, donc on redécouvre le jeu! Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires! Explosez les likes et abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche! Et avant de partir, regardez une autre vidéo de Nadège Campbell, bien sûr! Merci! Bisous, bisous mes petits palmiers! Bye bye!